Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc ici vous avez une petite raviole barbadjan, base de pâte à raviole frit avec à l'intérieur une préparation ricotta et menthe. Faites attention, donc ça risque d'être chaud à cœur. Un petit palais sablé au parmesan avec une quenelle d'oignon rosé de Roscoff confit, pickles, oignons rosés et graines de sarrasin. Et ici une fine tranche d'un cake aux légumes et citron jaune avec une petite crème légère à la nette. Excellente continuation. Monsieur, ici, pour débuter, le chef vous propose un petit filet de maquereau cuit au sel. Il sera accompagné d'une pâte de miso, radis couleur et condiments aux algues. Bonne dégustation. Un pain aux noix et cranberry, pain aux algues ou un pain traditionnel? Pain aux algues. Ouais, on est bien. Tout d'abord, madame, voici donc 9 mollets. Au fond de votre bol, on débute sur une mousseline de potimarron dans laquelle a directement été plongé l'œuf. Donc c'est un jaune très fondant entouré d'une fine pellicule de blanc. Vous avez des jeunes pousses d'épinards tombées à l'ail, châtaignes grillées, le tout recouvert par une émulsion parmesan, pampaille au centre. Et sur le côté, c'est un crackers avec des graines de courge et lard de colonnata. Et pour vous, monsieur? Donc le hareng fumé avec une mousse de chèvre poivrée, en voile de gelée, deux navets d'aïcon, une petite poudre d'olive et radis de couleur. Et juste à côté, donc, c'est une vinaigrette de betterave. Excellente dégustation à vous. Bon, madame, voici donc la poitrine de cochon qui a été laquée avec son jus de cuisson. Elle a été cuite pendant 17 heures afin de rendre la viande extrêmement tendre. Sur votre droite, vous avez des pommes soufflées. Et sur votre gauche, des pommes grenailles farties avec une crème d'ail. Au centre, un oignon cébette juste grillé et une petite saucière de jus de cochon. Et pour monsieur, le vieux jaune de truc qui a été cuit basse température, déposé sur une pomme de terre fondante, crème de fraîcheur, brocoli et kumquat et citron jaune confit. Bonne continuation à vous. Alors madame, voici donc les petits grains de raisin qui ont été épluchés et grainés, pris dans une fine gelée de verveine avec des petites pointes de meringue et sorbet au raisin fait maison. Et monsieur, ici donc la tomate fruit rouge. Dans le fond de l'assiette, donc c'est une gelée de framboise. J'ajoute ici une eau de tomate infusée au poivre et au basilic. Les petites tomates cocktail ont été donc vidées et farcies de fraises et framboises fraîches, sorbet basilic maison, des petits bâtons de meringue et tarte fine à la tomate. Bonne dégustation. Un canton de citron et son poids de tignesson dessus, un macaron, chocolat et passion, et vous retrouverez le caramel chaud. Voilà. Bonne dégustation à vous en tout cas.